Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, neveux, nièces, je vous salue depuis Guatemala dans cette semaine sainte de 2020. Vu la peste du coronavirus, il n'y a pas d'office divin public. Donc je profite pour vous envoyer quelques réflexions sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me base dans le catéchisme de la persévérance abrégé de Monseigneur Gomme, leçon 12, passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Raconter la passion de notre Seigneur. Le Sauveur, accompagné de ses 11 apôtres, s'était rendu au jardin de Gethsémani. Or, Judas savait que c'était là que Jésus avait coutume de se retirer pour prier. Le Sauveur dit à ses apôtres, « Demeurez ici pendant que j'irai prier. Priez aussi afin que vous n'entriez point en tentation. Priez vous aussi afin de ne pas entrer en tentation. » La prière est importante. Saint Alphonse de Ligorée dit, tous ceux qui se sont sauvés parce qu'ils ont prié. Et tous ceux qui se sont condamnés parce qu'ils n'ont pas prié. Et de fait, les apôtres ne vont pas prier et vont entrer dans la tentation et vont abandonner le Sauveur. Donc, notre Seigneur dit à ses apôtres, demeurez ici pendant que j'irai prier, priez aussi afin que vous n'entriez point en tentation. Ensuite, laissant les apôtres, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Attendez ici et veillez avec moi. Et s'étant un peu avancé, il s'écarta d'eux à la distance d'un jeu de pierre. Et s'étant jeté à genoux, il fit cette prière. Mon Père, détournez, s'il vous plaît, de moi ce calice. Cependant, que ma volonté ne se fasse pas, mais la vôtre. Ici, nous voyons l'exemple de la prière chrétienne. Père, éloignez de moi ce calice, cependant, que votre volonté soit faite et non la mienne. Donc, quand on prie, on dit, mon Dieu, je mets tout dans votre main, que votre volonté soit faite. Si cette chose que je demande est pour le bien de mon âme, eh bien, faites-la. Sinon, que votre volonté soit faite. Après sa prière, il se leva, vint à ses disciples et les trouva tous les trois endormis. Il dit à Pierre, Simon, vous dormez, vous n'avez pu veiller une heure avec moi. Et notre Seigneur insiste, veillez et priez. Veillez, ne dormez pas, et priez, afin que vous n'entriez point en tentation, afin de ne pas être vaincu par la tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Il se retira pour la seconde fois et il fit la même prière. Il revint auprès de ses disciples et les trouva encore qui dormaient. Il s'en alla de nouveau. Il fit pour la troisième fois la même prière. Alors il tomba en agonie et il eut une sueur de sang qui coula jusqu'à terre. Un ange descendit donc du ciel pour le fortifier, le consoler. Il vint ensuite à ses disciples et leur dit, « Dormez maintenant, reposez-vous. Celui qui doit me trahir approche. » Et puis il leur dit, « Levez-vous, allons à sa rencontre. » Il parlait encore lorsque Judas vint suivi d'une troupe de soldats et de valets, envoyés par les prêtres et les anciens du peuple. Les uns s'étaient armés des bâtons, les autres portaient des lanternes et des flambeaux. Or tout cela se faisait pour accomplir l'oracle du prophète qui avait dit, en parlant du Messie, il sera traité comme des scélérats et des voleurs. Judas leur avait donné le signal en disant, « Celui que je baiserai, c'est lui-même. Arrêtez-le et amenez-le avec précaution. » Dès qu'il fut arrivé, il s'avança vers Jésus et lui dit, « Maître, je vous salue. » Et il le baisa. Jésus lui dit, « Mon ami, à quel dessein êtes-vous venu ?» Judas
C'est par un baiser que vous trahissez le Fils de l'homme. Jésus s'avança ensuite vers la troupe et leur dit, Que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, C'est moi. Aussitôt, ils furent tous renversés par terre. Jésus, qui les avait terrassés, permit qu'ils se relevassent et ils le saisirent. Quand Jésus dit « C'est moi », il tombe à terre, là, il manifeste sa divinité. Par une parole, il le fait jeter par terre. Et puis il dit « Si à moi vous cherchez, laissez ceci partir. » Notre Seigneur, vous savez, c'est le Fils de Dieu fait homme pour sauver les hommes. Et tous les agneaux que les Juifs sacrifiaient depuis Moïse, 1250 ans plus ou moins avant Jésus-Christ, jusqu'à l'année 33 de Jésus-Christ, eh bien, tous ces agneaux qu'ils sacrifiaient étaient figures de Jésus qui est agneau de Dieu. Donc, Jésus permet qu'ils le saisissent. Pourquoi? Parce qu'il avait dit « Je donne ma vie quand je veux ». Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira et frappa un serviteur du grand prêtre, il lui occupa l'oreille droite. Mais Jésus lui dit, tenez-vous là. Et il guérit celui qui avait été blessé. Tous les apôtres prirent la fuite. Les Juifs amenèrent Jésus, ils le conduisirent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, grand prêtre. De là, ils le conduisirent chez Caïphe, où tous les prêtres, les scribes et les anciens étaient assemblés. Cependant, Simon-Pierre suivait Jésus de loin et il entra dans la cour du grand prêtre. Caïphe interrogea donc à Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai toujours parlé ouvertement au monde, interrogé ceux qui m'ont entendu. » Alors un valet, un domestique, lui donna un soufflet, disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Ils firent donc venir de faux témoins, mais leur témoignage ne s'accordait pas. Et le grand prêtre dit à Jésus, « Au nom de Dieu, dites-nous si vous êtes le Christ, le Messie. » Jésus lui répondit, « Oui, je le suis. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit, « Il a blasphémé. Nous n'avons plus besoin de témoins. » Que vous ensemble ? Tous répondirent. Il est digne de mort. S'étant retirés, ils abandonnèrent Jésus à la garde des soldats et des valets qui lui firent souffrir toutes sortes d'outrages. Cependant, une servante du grand prêtre qui avait vu Pierre qui se chauffait dans la cour et lui dit, Vous aussi, vous étiez avec Jésus de Nazareth. Pierre le nia jusqu'à trois fois en présence de tout le monde. Alors Jésus le regarda et le coq chanta pour la troisième fois. Pierre, qui se souvint de ce que Jésus lui avait dit, avant que le coq ait chanté deux fois, vous m'aurez renié trois fois, Pierre sortit et pleura amèrement. Les saints disent que ce pleurer amèrement de Pierre, eh bien, c'est un acte de contrition parfait de ses péchés. Donc, il y a de tout cœur demandé pardon à ses péchés. Quand on a fait des péchés, et si on ne peut pas se confesser avec un prêtre, parce qu'il n'y a pas de prêtre, parce que la peste ne permet pas, par exemple, eh bien, celui qui se met à genoux de tout cœur, prie, demandant pardon au bon Dieu, regrettant ce péché, avec le désir de se confesser, il reste pardonné. Et quand il voit un prêtre, il se confesse de ce qu'il avait dit. Le matin étant venu, les prêtres, les scribes et les anciens se réunirent et demandèrent de nouveau à Jésus, « Êtes-vous le Christ ?»« Oui, je le suis, » leur répondit-il. Ils le condamnèrent donc à mort et le conduisirent au gouverneur Ponce Pilate pour obtenir la permission de le faire mourir, crucifié. C'est alors que Judas, voyant que Jésus était condamné, se repentit. Il vint dans le temple et apporta les 30 pièces d'argent au prince des prêtres et aux anciens, disant, « J'ai péché en livrant le sang du juste. J'ai péché en livrant le sang du juste. » Ils lui répondirent,
Que nous importe? C'est votre affaire. Il sortit donc et alla se pendre. Avec l'argent, ils achetèrent le champ d'un potier pour enterrer les étrangers, les pèlerins. Tout cela se fit pour accomplir la parole du prophète qui avait annoncé que le Messie serait vendu 30 pièces d'argent avec lesquelles achetèrent le champ d'un potier. Nous voyons ici Pierre et Judas pêcher cette nuit du jeudi au vendredi saint. Et Pierre, à peine s'est rendu compte, il a pleuré amèrement son péché. Il a été pardonné et il est resté chef de l'Église. Judas aussi s'est repenti, mais il n'a pas eu confiance dans le pardon de Jésus. Et poussé par le démon, il est parti se pendre. Il a fait un suicide, un péché mortel. Pourquoi Pierre s'est repenti rapidement? Parce que c'était la première fois qu'il péchait, la première fois qu'il, par la peur, a renié Jésus, par la peur. Tandis que Judas avait un problème des années antérieures. Il était voleur. Il volait les aumônes que les saintes femmes faisaient à Jésus, aux apôtres, pour leur manger. Et donc, son mauvaise habitude l'a conduit au suicide. Donc, c'est important de voir quels sont les péchés que l'on fait le plus souvent et lutter contre ça pour que ne ce soit pas une mauvaise habitude. Ça, c'est la première partie de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Si Dieu veut, dans la troisième petite causerie, on parlera encore de la passion de notre Seigneur. Résolution. Ô mon Dieu, qui est tout amour, c'est maintenant que je vois combien vous m'avez aimé. Et un témoignage de cet amour, je prends la résolution de vous aimer de tout cœur et ne plus jamais pécher. Parce que pour mes péchés et les péchés de chacun de nous, vous avez souffert l'agonie, la flagellation, le couronnement d'épines, la via crucis et la crucifixion. Pardon, miséricorde, Seigneur, pour mes péchés, pour les péchés du monde entier. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.